Ok, toi t'es ban du Discord, tu me casses les couilles, tu sers à rien. Yo les chéris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 du présentation faction sur les OP Far West de PVP Warcraft. On est mercredi, comme chaque semaine, le mercredi, c'est la présentation de faction. Voilà, c'est un petit rituel que je me donne en 2021, tu vois, un petit clin d'œil, tu comprends les petits bails. Bref, aujourd'hui, on va présenter la Silver Axe. C'est une faction qui m'ont touché. Ils sont pas beaucoup, mais ils m'ont fait tellement rigoler. C'est une vidéo où je vais pas présenter en fait de farm ou de tout, etc. En fait, ils ont voulu me présenter leur faction. Ils avaient un FOM. Le problème, c'est qu'ils se sont fait dégommer le FOM. Donc, bah, je suis venu style de rien. Je les ai filmés sur leur Discord. Donc, bah, il y a du clash. Ils parlent un peu de tout et n'importe quoi. Ils donnent des méthodes. En même temps, ils nous montrent un petit peu comment ils font leur FOM. Bref, c'est une vidéo très unique qui va vous faire rigoler, je pense. N'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci, on est 1800 sur la chaîne, c'est incroyable. On commence correctement l'année 2021 et ça, c'est grâce à vous tous. Et n'hésite pas à commenter sous cette vidéo le nom de ta faction si tu as une petite présentation. Et n'oublie pas le coffre caché bah, dans la vidéo, encore une fois. Et je vous dis un indice, c'est du stuff pride. Voilà. Oh, les API sont pas mal. Oui, les AP Alors, avec un chunk buster dedans, et pas mal. Raison, quoi? terme. La paix de la J'ai rien fait, moi. Bim. Ok. Mais c'est bon, au bout d'un moment, j'en ai marre des gosses qui racontent de la merde. Là, H24, c'est bon. Voilà. J'avoue, Voilà un fondateur. Voilà, j'aime bien. Vous avez enlevé le fly du film. Pour se faire plus d'argent? Ah ouais, bah ouais, frère. Mais le passe random. Non, mais c'est qu'on passe vraiment pour des connards là, Chissot, hein. Mais je suis un connard. Tu vas arrêter de toute façon. Rigole, hein, je t'aime. Hein. Ok, mais... Alors, venant de la part de quelqu'un qui fout le trap, c'est quand même assez drôle. De moi parle de moi. Moi Je parle de vous, oui, les gars. Parce que, à okay, part trap. D'accord. Moi, d'accord. J'ai moi, passé je pour un GDS. Fais pas genre, maintenant je vais voir ça, je te déchire. Ok, j'ai trap une fois, j'ai du trap. Ouais. Total rip. Tu veux vraiment un V1? Il m'énerve, il m'énerve. Tu la vérité. On la pose où, Lou? On la pose où, Lou? On la pose direct. Si tu veux pas être ban du Discord, je te promets, ferme ta gueule. Ah ouais, t'as gilet changé, tu parles trop. C'est un conseil. Attends, mais c'est pour ça que les murs de sable ils montent pas parce qu'ils les bloquent? Les wizards. Arrête. Ok. Oh, c'est soit tu me démutes le serveur du machin, sinon je me barre avec tous mes potes. Gros serveur, il y a des J'adore, ça m'excite, moi j'adore. En fait, de base, c'est moi leur roi. Mais là, vu qu'il y a quelqu'un, bah ils veulent pas. C'est toi leur roi que. T'es pas leur roi, ils sont soumis à moi. Il y a juste Chichou qui est pas soumis à moi. Il va se manger un Dizzy Royal dans la bouche, frère, c'est tout ça. 5 stacks de kit Marshall, je te laisserai remplir les coffres pour faire genre qu'on a du stuff. Hein. J'en ai deux stacks et demi. Alors. 5 stacks, ah, pour le mec il veut mettre des coffres style de rien et puis. Oh mais je vais le bam lui, il sert à rien. Alors, vous voyez, on reste. On a le cas au Gibol et on a du stuff. Voilà comment on fait. En vrai, de vrai, ce que tu me viens. Par contre, tu mets technique anti-dépression. Génial, la Horax. Il bosse avec Shizu, hein. Moi, je sais pas, moi. Tu donnes 50 euros et il te donne les trucs. Ok, toi, t'es ban du Discord, tu me casses les couilles, tu sers à rien. Mais non, mais gros, t'auras plus de trucs. Oh, t'inquiète pas, y'a déjà plus rien. Vas-y, bah, je te laisse dans les coffres. C'est à peu près là tout ce qu'il y a, genre. En vrai, ça va, y'a quelques kits à Yamor. Je gagnerai même pas ça, mon chien, gros. Bon, bah voilà pour ceux qui veulent faire un tour dans sa petite caille. Je recherche une fac, alors tiens, comme je viens de moi, adoptez-moi. Parce que là, j'en ai marre, je suis entouré d'autistes. Moi, je cherche Daron. Un peu le chef. Chisou, dis pas ça parce que t'es très bien content quand on est là. Oui, tu es très content de nous en plus. En fait, ils sont beaucoup de notre gueule, surtout. Hein. C'est tellement des débiles qu'ils arrivent à poser des chunkbusters dans nos AP. Mais frérot, mais déjà, moi je dis ah, bizarre. Je te le dis frérot, t'es plus là. Energica, vraiment, tu vas mettre toutes les scènes là? C'est pas moi, c'est mon moteur qui va s'amuser. Vas-y, il aura du taf. Ah, oui. Hein.
Les gars, tout le monde, c'est Energikev, le youtubeur le plus fameux du serveur. Ok, toi, t'es homosexuel. Enculé, gros. Sinon, tiens, en attendant, je vais poser vos... des questions. Vous, c'est quelle faction que vous détestez sur le serveur? Le serveur entier. Non, mais sérieux, c'est quelle faction que t'aimes pas? C'est la JDZ. La JDZ, c'est un gros cancer, il tape. La JDZ? Ouais, c'est la JDZ. Il trappe. Vous recrutez des joueurs, mais genre, il faut avoir un grade, ou il faut être fort en PVP. Non, faut déjà être plus fort que Relax, donc c'est pas très dur. Mais on cherche surtout des joueurs qui sont autonomes niveau stuff. Malgré qu'il y ait les Givol, il y en a qui sont pas du tout autonomes. Il y en a qui jouent en demande des stuff. Positif, quoi. Qui soient autonomes, qui soient pas débiles, qui sachent comment marche une faction. Qui sont assez actifs. Et que dès qu'ils sont in-game, qu'ils puissent se connecter Discord. Ça, c'est la base, je peux pas te dire. Voilà, base. Et du coup, les gars, vous faites comment pour gagner de l'argent? Vous avez des femmes ou pas? Ou pas du tout? Pas de femmes, j'en tout le monde au CF, c'est tout. D'accord, donc vous fonctionnez avec les CF, quoi. Ah, et attends, du coup, je vais partager une petite technique. Donc en fait, je sais pas si ça a un petit... Ce que je fais, c'est que je spam eux en fait quand je fais des CF. Et notre jeu, par contre, vraiment, ça m'a déjà fait gagner beaucoup de fois en fait. J'ai remarqué que ça augmente vraiment considérablement les chances de win. Donc voilà. Bon, bah, les mecs, votre vidéo de présentation elle est finie. Du coup, on a présenté votre base. Non, mais voilà, c'est une faction qui recrute. Vous pouvez voir qu'ils sont un peu cheaper. Ils sont un peu paumés dans leur tête, mais bon, ça va aller. Ils vont s'en sortir. Avec le chef qu'on a, frère, on peut être tué comme ça.